Point net. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Vous écoutez cet article dans sa version du 20 mars 2022. Point net est un domaine de premier niveau générique ouvert d'Internet. Domaine de premier niveau générique du système de nom de domaine Internet, le nom de domaine point net correspond à l'abréviation de network, qui signifie réseau en anglais. Il s'appliquait à l'origine aux organisations présentant un lien avec les technologies réseau, comme les fournisseurs de services Internet et autres sociétés d'infrastructures réseau. Le domaine n'a jamais fait l'objet d'aucune restriction et représente aujourd'hui un espace de nom généraliste. Il reste apprécié des opérateurs réseau qui le considèrent souvent comme un substitut au nom de domaine .com. Les inscriptions au domaine sont traitées par des bureaux d'enregistrement accrédités. Des noms de domaine internationalisés sont acceptés dans ce domaine. Historique. Créé en janvier 1985, le domaine .net ne figure pas dans l'appel à proposition RFC 920, ce qui ne l'empêche pas de figurer parmi les domaines de premier niveau historique, au même titre que les noms de domaine .com, .edu, .gouv, .mil et .org. À partir de 2011, le .net devient le troisième domaine de premier niveau le plus demandé, après les domaines .com et .de. Après le rachat de Network Solutions en 2000, VeriSign exploite le domaine .net jusqu'au 30 juin 2005. L'ICANN, l'organisme chargé de la gestion des domaines, lance un appel à proposition pour l'exploitation du domaine après l'expiration du contrat avec VeriSign. C'est VeriSign qui remporte l'appel d'offres et conserve le contrôle du registre .net pour 6 années de plus. Le 30 juin 2021, le contrat avec VeriSign est automatiquement reconduit pour 6 années supplémentaires, conformément à la résolution approuvée par le Conseil de l'ICANN, selon laquelle la reconduction est tacite tant que VeriSign répond à certains critères fixés par l'ICANN. Les enregistrements sont traités par les registraires accrédités et les noms de domaines internationalisés sont également acceptés. Utilisation. En plus d'être l'abréviation de réseau, net est aussi une translittération du mot russe niet, qui veut dire non ou il n'y a pas. Un nom de domaine comme objet.net peut donc être interprété comme il n'y a pas d'objet. Certains domaines exploitent cette caractéristique de façon humoristique, par exemple mosga.net, pour laisser entendre absence de cerveau. Certains fournisseurs de poker en ligne ou d'autres jeux d'argent opèrent des jeux impliquant de l'argent réel sur une adresse .com et des jeux sans argent, promus comme étant pour le plaisir ou l'éducation, sur une adresse semblable se terminant par .net. Cette ruse est utilisée pour contourner les lois relatives à la publicité des jeux d'argent en ligne aux États-Unis. Les sites .net peuvent être légalement promus et cette promotion permet de faire connaître les sites .com fonctionnant avec de l'argent réel. En 2013, le domaine .net est le troisième domaine de premier niveau le plus populaire, après .com et .de. 5 ans plus tard, en 2018, .net est devenu le cinquième domaine de premier niveau le plus populaire après .com, .cn, .tk, nom de domaine national de Tokelau, et de .de. Fin de l'article. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU.